Bonjour à tous. Comme les femmes, de plus en plus d'hommes ont recours à la chirurgie esthétique avec une ambition, un mot d'ordre, l'amélioration de soi. Aujourd'hui, je vous emmène direction la Belgique, à Bruxelles, à peine 1h20 de Paris, pour un numéro spécial consacré à la transplantation capillaire. Messieurs, c'est pour vous. Rencontre avec l'un des meilleurs spécialistes du sujet, le docteur Emora Nupanzula, et vous le verrez, sa clinique flambant neuve, Medikemos. Dans les coulisses du cheveu, c'est une émission reportage signée PCM Productions. Docteur, bonjour. Bonjour Rémi. On est à Bruxelles, en Belgique. Alors, vous êtes docteur. D'où vient donc cet intérêt et cette passion pour ce sujet, votre métier ? Cette passion a été suscitée alors que j'étais encore médecin en salle d'urgence. Ouais. Un jour où j'ai eu à traiter un patient brûlé, dans un hôpital des grands brûlés en fait. Et là, on a eu un grand brûlé qui, tout le visage ainsi que tout le cuir chevelu ah, était oui. atteint. Alors ce patient a dû être traité, donc avoir une transplantation cutanée et capillaire à la fois, et le résultat était très esthétique, et d'où cet intérêt un peu suscité à ce moment-là. Il y a beaucoup de médecins, beaucoup de chirurgiens qui pratiquent cette opération. En Belgique, c'est assez connu, assez réputé comme être une technologie qui est très au point, très évoluée. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de choisir le docteur Nupanzula ? J'en ai vu plusieurs et c'est vrai que le chirurgien de la clinique Medikemos est un peu plus sympa, convivial et je pense qu'il y a un certain feeling, voilà. Que ce soit avec lui ou que ce soit avec ses collègues, qui fait que c'est ça. Venez, installez-vous. Le patient, quand il arrive, c'est toujours un déplacement, ils viennent de l'étranger. Pour qu'ils ne soient pas perdus, on envoie un chauffeur pour aller les chercher à la gare ou à l'aéroport, peu importe d'où ils arrivent. Le patient, il est pris en charge du début à la fin. Avant, on le prépare, on l'appelle pour le mettre vraiment dans des bonnes conditions, lui expliquer comment ça se passe, ce qu'il va vivre, comment il va le vivre. Comme ça, il n'a pas de surprise en arrivant. Et après l'intervention, ça c'est le plus dur, parce qu'on doit vraiment faire un suivi très rapproché jusqu'à la repousse complète, pour qu'on puisse voir aussi par nous-mêmes le résultat, suivre comment il a évolué, quel est le résultat qu'il a donné, et lui montrer aussi, parce que souvent on s'oublie, et il faut voir à la fin, tiens voilà, le changement a été là et a été fait. Medikemos. On va donc aller voir le docteur Nupanzula et Mehdi, le patient que vous connaissez. Ensuite, on va venir voir. Discrétion. Mehdi, comment vous vous sentez alors ? Bien. Oui. Je suis plus endormi que le reste, mais ouais. C'est pas le problème. Ouais. La technique la plus demandée est la FUE. La FUE veut dire Follicular Unit Extraction. C'est-à-dire, on va prélever l'unité folliculaire l'une après l'autre. En un utilisant. À la tête, oui, voilà, au niveau un de la tête. Hein, vraiment l'une après l'autre. Ah, oui. Hein, et c'est une technique assez minutieuse qui demande de la patience et du temps et beaucoup de dextérité pour pouvoir prélever l'unité folliculaire entière. Oui. Et puis, une fois qu'elle est prélevée, on la réimplante. Là, on a besoin justement de couvrir la zone glabre, en fait. C'est une technique qui a beaucoup plus d'avantages que la précédente. La FUT, parce qu'elle va, permettre au patient une récupération rapide. Donc, au bout de 7 jours, 10 jours, il peut reprendre ses activités, voire même moins de 7 jours, reprendre ses activités physiques, sociales, professionnelles. Ça laisse très peu de cicatrices, hein, qui sont des tout petits points, qui ne sont pas visibles lorsque le patient laisse ses cheveux à 1 cm. Ouais. De plus en plus de patients jeunes, hein, sont demandeurs parce que justement ils ne veulent pas avoir cette large cicatrice derrière avec la technique de la bandette. Donc ce sont un peu là des avantages pour la FUE qui font que la demande est de plus en plus croissante dans ce sens-là.
l'équipe est formée, et c'est le mot-clé, que ce soit moi, que ce soit le secrétariat, que ce soit les conseillers qui travaillent autour, oui. Chacun a cette proximité avec le patient, au point où comme je vous dis, il rentre vraiment dans la famille Medikemos et il se sent, à la fin, on devient des amis, on devient, oui. Il fait partie de notre petite famille. La médecine pour moi, c'est tout un art, d'accord, mais de l'autre côté, c'est le côté humain. Un patient qui vient vous voir pour une transplantation capillaire est un patient qui souffre au fond de lui-même. Il a besoin d'un soutien, d'une assurance. Et lorsqu'on refait une transplantation capillaire, on redonne cette assurance aux gens. Donc le patient recouvre en fait cette assurance en lui. Et pas mal viennent me dire après, docteur, vous savez, j'ai pris nettement d'assurance dans ma vie. Et beaucoup, l'entourage même le dit. Donc c'est ce côté humain, ce côté proche du patient que je veux mettre en avant, parce qu'il le faut pour comprendre vraiment la problématique et aller dans le sens de la demande du patient. Eh bien docteur, merci en tout cas pour cette conversation et plein succès pour votre clinique Medikemos, c'est bravo. Un grand merci Rémi, merci au plaisir. Merci. Au revoir. Notre émission touche maintenant à sa fin. Je remercie particulièrement le docteur Emoral Nuponzula et bien entendu toute l'équipe de la clinique Medikemos. Je vous dis à très bientôt pour un prochain numéro. Au revoir.